Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Antoine et toute sa famille. Yeah. Et oh, mais en fait aujourd'hui on a quelque chose énorme. En fait j'ai pas suffisamment des mots à expliquer comment je sens maintenant. Honnêtement les amis, j'ai jamais conduit une voiture comme ça. Oui, j'ai conduit beaucoup de voitures vite, mais ça c'est quelque chose, prix, puissance énorme. Alors aujourd'hui le but vraiment c'est on va sortir la voiture pour prendre quelques jolies photos comme toujours avec Antoine. On va faire quelque chose vraiment stylé. On va pas perdre beaucoup de temps parce qu'on a le soleil qui va se coucher bientôt. On met dans la voiture et je sais pas comment je vais parler et conduire en même temps dans cette bestiale. On y va. Bon, on va se mettre dedans. En fait vous voyez que les sièges Senna sont toujours là comme dans la mienne, dans la 600LT. Ça c'est cool ça. Pour démarrer la voiture, c'est déjà commence intéressant parce que le bouton est ici en fait. Bonjour. Tu penses quoi? C'est complètement malade mental. Malade mental. En fait, je vais laisser la caméra à Antoine parce que je pense aujourd'hui je dois me concentrer un petit peu à la conduite. C'est complètement fou. En fait, je pense qu'on n'a pas beaucoup de pneus. On était vraiment à 30 km/h. J'ai mis le pied juste un petit peu. La voiture a commencé à partir. Première émotion, fou. Le seul truc que vous avez ici, c'est une petite pièce de verre. Vous voyez l'asphalte. On n'a pas de rétro. Ici, il n'y a rien, comme vous voyez. Ça s'appelle que moi, je vois que rétro gauche et que rétro droite. Tout le monde regarde à nous comme nous sommes vraiment les aliens qui sont venus de Mars. Ok, petite accélération. Mais je peux pas, ça commence à glisser tout de suite là. Ah les amis, c'est fou. Incroyable. C'est une voiture, moi je suis au volant déjà depuis 10-15 minutes et j'ai déjà une mal à la tête parce que en fait je suis comme dans un avion parce que c'est un truc de fou. Écoute ça. Je comprends pas comment les gens peuvent rouler cette voiture sur les routes juste comme ça standard et pas sur un circuit parce que la voiture elle est violente. On a commencé à rouler, les pneus elles étaient froides, moi j'ai mis le pied juste un petit peu et j'ai perdu le volant parce que en fait oui c'est une hypercar avec 800 Nm de couple et avec 800 chevaux, 0 à 100 je pense environ 2,8 secondes. Avec une poids de 1,3 environ. Ça c'est. Ok, on va faire une petite accélération. Okay. Ça va le freinage. En fait, j'ai un peu peur à pousser un petit peu trop parce que je sais pas comment la voiture va réagir. Ok, après, c'est une voiture de presse. McLaren, on va pas faire beaucoup de choses dangereuses, mais en fait, en général, je suis complètement amusé. Je peux vous dire, truc important, oui, je sens un petit peu comme dans une 600LT, parce que quand même, le moteur, c'est le même moteur, c'est une 3,8, 4 litres, V8, c'est le même note de bruit, en fait, ici, c'est exagéré, mais la note, elle est plus ou moins exactement la même. Et je sens dedans un peu comme dans la 600LT. Ça j'adore avec les McLaren. De toutes les McLaren, ils mettent toujours les mêmes expériences pour 1,5 million, pour 300 000, pour 200 000. Toujours des surprises. Merci McLaren. Je vais arrêter à parler, je vais vous montrer quelques jolies images. Quelle
journée de complètement maladier ou malade, si je peux. Vous pensez quoi, les gars? Folle, hein. On a même pas, on a même pas passé une journée complète. C'était quoi, 3 heures on a fait avec la voiture. Ouais. Mais les émotions de tout le monde, on était tous dans la voiture. C'est quelque chose vraiment spécial, incroyable, imaginable. Inimaginable. Sena. Voilà. Vraiment quelque chose de complètement incroyable, une meilleure expérience. Un énorme merci à McLaren Genève pour me proposer cette opportunité à faire une vidéo avec cette magnifique Sena. Énorme merci à McLaren Auto pour aussi me prêter et me faire confiance à rouler avec cette magnifique voiture. On a juste là couche de soleil pour prendre quelques jolies photos. Je vais vous montrer quelques photos ici de Antoine. Ils sont vraiment les meilleures photos qu'il, je pense, j'ai vues. Je disais ça déjà deuxième fois dans le vlog, mais vraiment c'est le vrai. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez une petite commentaire ici. Et je pense qu'on va terminer la vidéo ici parce qu'on doit ramener la voiture bientôt à concessionnaire. Et à prochaine vidéo, les gars. Bye bye.